Précédemment dans The Big Game of Ski, le stream de l'impossible. Dans le premier stream, Monsieur K était parti en aventure pour vous faire découvrir The Land of Pain. Et à peine le stream commencé, il se fait emmerder par le téléphone. Dans le second stream, Monsieur K vous fait découvrir les frissons. Et à ce niveau-là, on est pas mal servi. Dans le troisième stream, c'est un fail total qui a dû être passé en accéléré x 3. Vous regarderez dans les replays. Et donc aujourd'hui, oh, ça m'a fait couler le nez. Et donc aujourd'hui, ben, je vais me moucher. On va faire la quatrième partie de ce stream en espérant que le son ne va pas déconner, que les éléments ne vont pas se déchaîner contre moi. Car en fait, déjà, le jeu souhaite ma mort et c'est déjà bien suffisant. Donc, j'en étais à un endroit où il y a une scierie, quelques baraques. J'ai chopé une tronçonneuse et étrangement, je ne peux pas m'en servir pour m'ouvrir les portes qui sont fermées et qui ne sont faites que de bois. Et je dois trouver un endroit où il y a des ronces. Et horreur, au désespoir, au rage, au même pas vieillesse, mais beaucoup d'ennemis en tout cas. Je n'ai aucune idée d'où trouver ces ronces. Alors j'ai tourné un petit peu, j'ai fini par les trouver hors stream. Alors on va reprendre le jeu à peu près à ce niveau-là. Je vais enlever l'image du jeu, je vais vous remettre la capture, et on va replonger dedans aussi sec. Le son avec, ce serait pas mal. Ah bah voilà! Donc me revoilà dans la scierie où j'ai trouvé cette fucking tronçonneuse que vous ne voyez pas, qui est cachée sous l'icône, sous le petit bandeau The Big Game of Ski. C'est là qu'apparaissent les objets de votre inventaire. Et donc il va falloir que je me trouve que je me trouve ce damné buisson ardent, ce tas de ronces, cette chose immonde, pour tranquillou envisager de pouvoir avancer à nouveau. Parce que j'avoue que là j'étais quand même pas mal coincé. Et j'ai tourné un petit peu en rond hors stream, je vous le concède. Je suis déjà passé là, alors ça vous l'avez pas vu dans les streams précédents, et on m'a fait plaisir en me faisant voir qu'une bestiole de l'autre côté traversait également, histoire de dire « It follows, oh yeah, it follows ». Donc à partir de maintenant, la prudence est de mise, parce que je pense qu'il peut m'arriver des bricoles. Alors en toute logique, il devrait y avoir une baraque pas très loin que j'ai déjà visité sommairement, mais qui est toute verrouillée. Et qui représente donc une fraction de mon grand désespoir. Désespoir qui va me mener à aller voir cette lumière, par exemple, une fois que. Ou suivre le moindre chemin par terre pour me tracer une route, là, parce que je commence à être sévèrement paumé. Ah, voilà! Qu'on trouverait des ronces bientôt, que ça ne m'étonnerait pas. Tiens, elle est pas belle, la vie! Et hop! À mon avis, je pense qu'on va pas tarder à courir. Hein. Clic-cloc. Hey, mais tu fais super bien la grenouille. Ouais, je sais. On adore traîner dans les marais par les nuits de aucune lune avec une bestiole potentielle aux trousses. Elle a fait voir l'axe du pont là. Ok, donc moi je dois aller tout droit. Non, tout droit je vais aller. Hein. Alors je dois avouer que je suis un petit peu égaré là. Et j'aimerais pas que une bestiole se mette à me partir aux fesses. Pas la moindre lumière comme repère. Je suis tristesse, je suis isolement, je suis... Oh, lumière là-bas. On va suivre ce pseudo-chemin. Il y a
dirait qu'il y a de la lumière là. J'espère qu'il y aura une petite serviette pour m'essuyer les pieds et me sécher. Ce sera très bien. Salut! C'est un truc me part aux fesses ici, je dois faire tout le chemin inverse à fond la caisse. Je sens que ça va être coton, comme on dit. Très coton. C'est parti, c'est la fête au slip. Je suis sincèrement paumé, les amis. J'espère que je tombe pas en rond. Salut. C'est accueillant chez vous. Alors, ne pas nourrir le fantôme avec la toge. Ok, on va faire ça. Je trace en face, là. Et je dis banco. Quel moment. Ah putain, le voilà. Hop, trop cher. Cours, 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 c'est ta façon de t'enfuir. Nuit de folie, nuit de folie. Mais lâche-moi cette bestiole. Dis bien droit sur toi. Oh, vite, 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 vite. Et merde. Je m'essouffle. Dans les marais avec un pervers ou aux fesses, ça n'est pas de tout repos. Alors, qu'est-ce que j'ai mal fait? Comment je pourrais optimiser mes chances de survie? C'est la grande question. Je vais dessus. Ça n'est pas la pas du bien, c'est juste la curiosité. Pas forcément placé au bon endroit. Il est où le gros? Ouais, c'est reparti. Ouais, je le sème un peu. Un cul-de-sac qui m'attend parce que je vais être vraiment très 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 mal. En plus on y va que dalle.
Bordel, je passe où, moi? Avance! Colère, je suis colère. Allez, c'est reparti. Je pitch pas pourquoi je me prends autant de râteaux. Alors que j'ai quand même une bonne volonté. Je suis ce qu'on me dit de faire. Je suis docile et aimable à la fois. Et il y a un gros connard en fumée qui me suit et qui veut me dégommer. Je ne comprends pas. Est-ce que la dissimulation pourrait marcher? C'est la grosse question. On va essayer de vérifier au démarrage. Comme ça, ça clarifiera une bonne chose une fois pour toutes. C'est pénible d'essayer de voir une créature invisible. Il doit être là, on ne sait pas. Alors peut-être que c'est la bonne technique pour passer. Quelque chose de gonflant sur la durée de la répétition.
En plus, me faire redémarrer la perpète à chaque fois, il y a une facilité. Et le voilà. Il était où le kiki? Il était où? Je suis caché. Je pense que l'utilité de se cacher est un petit poil douteuse quand même. Tu aimes faire, tu aimes refaire, tu aimes faire et refaire. Ok. Il y a juste les parasites sur ton écran. Ça parasite, tu te bêtes, tu te caches. Duck and cover, comme disent les Américains. Hop. On va y aller par à coup, hein. Hop, planqué. Apparemment, les battements de cœur sont le seul radar que j'ai pour estimer la distance entre moi et la créature. T'as vu ça, ce silence? Alors j'essaie de rester dans les buissons tel l'animal de base, en disant que ça peut peut-être me servir, mais on a vu que jusque-là, c'était quand même pas le grand succès. Bon, je suis arrivé jusqu'ici, c'est déjà pas mal. Maintenant, il va me rester la partie moins drôle. Alors, il faudrait que je repère les lumières. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas perdu. Je sais très bien où je vais. Alors, où va ce damné chemin là? Ok, tu veux que je traverse là? C'est parti!
Mort! Alors, plutôt que d'entretenir le strip du Fell, je vais mettre en pause, je vais faire mon passage 15 ou 20 fois et on reprend juste derrière. Parce que je pense que ça va pas trop vous intéresser de voir comment je me fais tuer différentes fois alors que c'est toujours le même trajet. À tout de suite, les amanches.